prochaine manche. Ouais, je suis trop contente. Je peux utiliser mes deux mains. Prête? Miam, un biscuit. Attends, il est bizarre. Il a l'air délicieux. J'ai hâte d'y goûter. Hein? Qu'est-ce que c'est? Oh non! Il faut faire vite! Allez, il faut être rapide et efficace! C'est trop dur avec une seule main! Ne bouge pas! Reste concentré! Ouf! Ça me fait transpirer! C'est amusant en fait! J'y suis presque! Oh, faisons preuve d'imagination! Il me reste juste une partie et j'aurai fini! Tu as l'air différente! Feu rouge! Oh non! S'il te plaît! C'est... Fini! Et il est en un morceau! Oh! J'allais oublier! Feu vert! Enfin! On dirait que le temps est écoulé! Oh, c'est pas juste! Oh, sérieux? Tu as quelque chose dans les cheveux! Lexi a triché! Oh, je déteste ce jeu! Ça va, mange ton biscuit! Ok, cette fois nous avons un bouton. Je vais y aller en premier. Oh, une banane! C'est mieux que beaucoup de mes autres trucs! Oh mon Dieu, il se passe quelque chose! C'est tellement beau! Ok, c'est ton tour! C'est parti! Oh, on dirait que j'ai de la barbe à papa! Laisse-moi ouvrir ça et le sortir! Je vais juste en mettre un peu dans cette zone. Ça se présente bien. Et je vais juste goûter un peu. Ça a l'air plutôt bon. Oh mon Dieu! Regarde-moi, je suis sauvage! Waouh, en effet! Maintenant, je ressemble à un savant fou. Laisse-moi en mettre un peu par ici. Ça sent bon. Je vais en ajouter un peu aussi. Peut-être aussi un peu de ce liquide rouge. Peut-être un peu plus. Il est temps d'ouvrir cette bouteille qui fait peur. Hé, tu as changé ma banane en rouge? Laisse-moi juste la renifler et la goûter. Oh, je suis redevenue normale. Ah, c'est mieux, c'est sûr. Oh, c'est vrai, ma banane. Ma banane qui est rouge maintenant. Peut-être qu'elle est bonne comme ça. Elle sent bizarre. Je suppose que je vais juste en mettre dans mon gâteau. Je ne sais pas, au moins la couleur est plutôt jolie. Les cordes sont de retour. Je vais la tirer en premier cette fois. Hein, c'est un téléphone portable. Qu'est-ce que je suis censée faire avec ça? Ce n'est certainement pas de la nourriture ou des bonbons. Ouais, il est réel. Je suppose que je vais le poser juste ici. Non, ça ne marche pas. Je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire avec ça. Voyons ce que je vais avoir, j'imagine. Oh, un sac de bonbons. Mais ils ont la forme de souris. Laisse-moi en goûter un, pour voir quel goût ça a. Ce n'est pas trop mal. Attends, qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Ah, une souris! Il y a une souris par là! Quoi? Ah, qu'est-ce qu'on devrait faire? Oh, je sais! Dépêche-toi! Hé, quoi de neuf? Qu'est-ce que c'est? Une souris? On a besoin que tu viennes nous sauver! Je peux certainement faire preuve de courage, mais on se voit plus tard! Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il vient de nous abandonner? Ok, je vais être courageuse et nous sauver. Me voilà! Ouf! Je pense que je l'ai capturé. Laisse-moi juste jeter un coup d'œil. Hein? C'est bizarre. Elle s'est transformée en une des souris en gélatine. Vraiment? La souris est partie? C'est de ça qu'on avait peur! Peut-être qu'on a réagi de manière exagérée. Mon gâteau n'a pas l'air franchement délicieux. Oh, il sent encore plus mauvais. Il y a des chances que tu veuilles échanger des gâteaux. Hé, c'est quoi ça? Il y a un autre bouton maintenant. Il y a un point d'interrogation dessus. Je vais l'essayer. Waouh, que diable se passe-t-il? Je suis d'or. Ouais, je n'ai plus à regarder mon gâteau. C'est quoi ce bazar? Où je suis? Pourquoi je suis habillée comme ça? Pourquoi tu es là? Où est ma copine? Eh bien, bienvenue dans le défi de décoration de gâteau, je suppose. C'est parti! J'ai un petit pistolet à eau. Je me demande ce qu'il y a dedans. Oh, c'est du glaçage jaune! Je vais juste ajouter une cuillère à chaque guimauve.
Hé, tu veux échanger les gâteaux? Oh, bien. Laisse-moi mettre un peu de ça sur ton gâteau. Waouh! Il l'a totalement transformé! Je vais essayer cette crème chantilly au-dessus. Hé, ça te dérange si j'essaye aussi? Eh bien, très bien alors. Fais comme tu veux. Tu l'as transformé à nouveau en gâteau aux algues et au ramen. Quoi? Et maintenant, je dois ajouter des cornichons aussi? Comment je me suis retrouvée coincée ici? Laisse-moi ouvrir ça et sortir un cornichon. Burk, je ne suis pas un fan des cornichons. Ils sentent mauvais. Je pense que je vais les aligner sur le gâteau comme ça. Excusez-moi, avez-vous vu ce hors-la-loi? Regardez de plus près. Toi aussi? Tu vois ça? Ils sont recherchés. Oh non! Voilà le cornichon qu'ils cherchaient! Je dois m'en débarrasser. Ah! J'ai vu ça! Ce cornichon est toujours en train de s'échapper. Mais pas cette fois-ci! Tu vas venir avec moi! Vous aussi, mademoiselle! Voici votre punition. Il est temps de manger vos gâteaux. C'est ça! C'est l'heure du gâteau! Bon, d'accord. C'est parti! J'adore les gâteaux! Tout ce glaçage et ce sirop au chocolat! Burk! Les cornichons et les algues ne vont pas sur un gâteau! Mais il reste tellement de gâteaux à manger! Qu'est-ce qui se passe là-bas maintenant? Excellent! Sophia, j'ai amené nos chocolats préférés! Ça a des avantages d'être ta voisine de classe! Je ferais mieux de sortir mes affaires! J'espère que ça ne sera pas trop ennuyant aujourd'hui! Avant ça, j'ai vraiment besoin de sucre pour réussir à me concentrer! Merci beaucoup! Ces emballages sont durs à ouvrir! Allez! On dirait qu'il est enfermé à l'intérieur! Bonjour, la pangée s'est divisée en... Sérieusement? Les règles, ça ne vous dit rien, les jeunes! Oh mon Dieu! Reste cool! Fais semblant d'écouter! Qu'est-ce qui se passe par ici? Des chocolats, hein? Elle ne peut pas les prendre comme ça! Je te jure que mon cœur s'est arrêté! Où j'en étais? Les adultes sont trop injustes! Ce baume à lèvres a la forme de mon chocolat. Il faut la même taille. Fais-moi voir ça. D'abord, ouvre le baume à lèvres. Retire le baume à l'aide d'une cuillère. Une fois enlevé, tu peux mettre le chocolat dedans. Il est parfaitement caché, tu vois? Pourquoi je n'y ai pas pensé? Waouh! C'est ingénieux! Oh bon! Toi, tu as refait ma journée! Comme je disais! C'est l'heure de faire une pause! Quelle hypocrite! Stop! Pas de nourriture à l'intérieur! Je m'en fiche! Alors? Pardon? Pourquoi ne dites-vous rien? La 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 la. Oh, je ne suis pas payée pour ça! Oh! Oh, c'est votre langue? Oh, je n'arrive pas à croire ce que j'ai fait! Oh, je me sens tout bizarre! Oh. Quel idiot! Ma langue va très bien! Mais ça, ça m'appartient! Hein? Oh mon Dieu! Je reprends ça! Ne vous inquiétez pas! J'ai tout ce qu'il me faut maintenant! Oh, d'accord! J'ai compris! Oui, oui! Ça me semble tout à fait logique! Je ne fais que mâchouiller mon cordon! Rien de grave! Est-ce que Jake est en train de manger? Je dois voir ça de plus près. On dirait son cordon de veste. Attends. C'est quoi ça? Ce n'est pas un cordon. Jake, pas de bonbons en cours. Oui, pardon. Bon,
J'ai quand même faim. Oh, je crois que j'ai une idée. Je vais prendre une gorgée d'eau. Oh, cette eau est tellement délicieuse. Je veux dire, désaltérante. Jake, je te vois. Tu ne peux pas manger de bonbons depuis ta gourde non plus. Bon, d'accord. Sérieusement, retourne travailler. Il est toujours en train de mastiquer son crayon. Cela me donne une idée. Allez, c'est l'heure de manger des bonbons. Je retire le capuchon de mon surligneur. Et je retire le feutre dedans. Je n'oublie pas la pointe. C'est plus gros que je ne l'aurais pensé. Il ne faut pas oublier de le nettoyer. Allez, prochaine étape, le bonbon. Je vais le faire glisser dans le marqueur. C'est la taille idéale. Je remets les extrémités. Et voilà! Super! Un surligneur comestible! C'est trop bon! Je pourrais manger ça toute la journée. Jake? Qu'est-ce que tu manges? Je ne mange pas. Je ne fais que mâchouiller mon surligneur, comme vous. Oh, j'imagine que ça va alors. D'accord. D'accord. J'en reviens pas que ça ait marché. Je ne sais pas. Attends, je peux y aller en premier? S'il te plaît. J'y vais. On dirait que c'est une sorte de boîte de conserve. Oh! Oh non, c'est du poulpe en conserve. Laisse-moi l'ouvrir et voir à quel point c'est mauvais. Burke, ça sent vraiment mauvais. Ouais, mais ça doit aller sur mon gâteau. Ce sont les règles. Ok, bien, je suppose que c'est mon tour d'appuyer sur le bouton alors. Oh, j'ai de la poudre de chewing-gum rose. Laisse-moi ouvrir ça pour que je puisse le mettre sur mon gâteau. C'est l'heure de mettre ma poudre. Je peux sentir le goût de fraise depuis ici. Tu sais quoi? Je vais en verser dans ma bouche. Waouh, regarde, ça m'a rendu rose. Tu es si jolie. Hé, où vas-tu? J'ai une idée et je vais avoir besoin de mon linge. Ok, voici mes vêtements. Je vais les mettre dans le lave-linge. Cette serviette aussi. Hein? D'où vient ce ballon? Eh bien, autant le mettre là-dedans aussi. Cette herbe aussi, je suppose, et cette croque. Qu'est-ce que tu fais ici? Eh, tu pourrais aussi bien entrer là-dedans. Ouf! C'est un peu serré. Et maintenant, il faut ajouter la poudre de chewing-gum rose. Très bien, à bientôt! Je suis de retour. Waouh! Ça a rendu mes vêtements tout roses. Cette poudre est incroyable! Regarde ce qu'elle a fait! Chaque chose est dans une nuance différente de rose. Voilà le ballon. Il est aussi très beau. Très bien, allez. Toi, on va te sortir de là. Est-ce que j'ai l'air très différente? Comment sont mes cheveux? Oh, mes vêtements sont si mignons! On est toutes les deux si mignonnes! Merci, poudre de chewing-gum! Ok, revenons à nos gâteaux. On devrait prendre un selfie de ça pour s'en souvenir plus tard. Je crois que je vais avoir de la chance. Allez! Ah, bien. Ouais, demain. Voyons voir. Des moules? Je ne suis pas très fan de fruits de mer. Elles sont énormes en plus. T'as quoi, toi? C'est répugnant. Moi aussi, j'ai des moules. Je ne sais pas comment je vais m'y prendre. Je me lance. Bonne chance. Je vais avoir besoin de ça. C'est gluant! Ça se mange. Eh, mais c'est bon! Je te crois sur parole. Je pourrais en manger des tonnes. J'adore ça. Le goût est super frais. Miam! Oh, c'est la dernière. J'aurais aimé en avoir plus. Allez, à toi. Oh, ça doit pas être si mauvais. Je ne veux pas me tâcher. Allez. Oh, ça pue. Mais je vais le faire. C'est bon? Oh ouais, délicieux. J'adore. C'est mon nouveau plat préféré.
Pas si vite. Oh, j'étais sûre que ça allait marcher. Prenez ça. Et mangez-moi cette moule. Ok, elle est collée. Vous venez de me frapper avec une moule? Oups! Ça suffit! Je dois intervenir. Donnez-moi ça. Hé! Hey! Où est-elle partie? Oh! Hein? Ouvrez grand! C'est dégoûtant! Oh! Je dois me brosser les dents! Vite! Qu'est-ce qui te fait rire? Voyons voir! Allez-y! Hé! Hey, vous n'avez pas de nourriture, n'est-ce pas? Et vous, mademoiselle? Qu'est-ce qu'il y a sous votre bras, là? Montrez-moi vos mains! Oh! Tu cachais tout ça, hein? Ah! À plus! Ce type est méchant! Qu'est-ce qui se passe avec ces gens? Oh, salut! Moi aussi, j'adore les chaînes! J'adore la vôtre! C'est ça! Vas-y! Passe-moi tes chocolats! Fais-moi confiance! Je reviens! Ok! Ah, tu étais où? J'ai fait ça pour toi! Essaye-le! Oh, cette chaîne est incroyable! Elle est unique en son genre! Bienvenue au club! C'est génial ici! Et regardez mon superbe collier! Je grignoterai bien un petit truc! Lequel vais-je choisir? Celui-ci! Vive le chocolat! Ils ne sont pas délicieux! Et dire qu'on a failli ne jamais entrer! Miam! Hé! Hey, c'est ma chanson préférée! Tu crois que la prof a vu que je suis en retard? J'ai raté quelque chose? Que des choses ennuyeuses! J'aurais dû manger avant de partir! Je vais juste grignoter en cachette! Mes chips préférées! J'en ai l'eau à la bouche! Y a-t-il une meilleure odeur dans le... Quoi? Vous connaissez les règles. Pardon. Je vais attendre. Ne m'obligez pas à faire ça. Vous ne voulez pas suivre les règles? Non! Alors sortez. Bien! J'irai grignoter ailleurs. Ces règles sont trop nulles. On me laisserait mourir de faim? Et où est mon classeur? Je crois qu'il peut me servir. Oui! Vide ton paquet de chips et plie-le comme ceci. Continue jusqu'à le retourner complètement. Utilise deux pinces comme celle-ci et clip-les sur le fond. Remets les chips dans le sachet. Puis enroule le paquet. Et ferme-le avec une autre pince. Et pour finir, passe les pinces à travers les anneaux. Puis referme le classeur. Ça va être top! Reste cool, reste cool! Bella! Je n'ai plus de nourriture, vous voyez? Ok, reprenons. Mademoiselle Appleby ne se doute de rien. Et la nourriture est juste là. Ne mastiquons juste pas trop fort. Je t'ai vu. Tu as vu quoi, Betty? Justin, s'il vous plaît. Ah oui, vous savez lire. Toute nourriture extérieure va à la poubelle. Bon film. Voici. Pas de nourriture? Laissez-moi voir ce lapin. Allez, ouvrez-le. Non!
a l'air innocent. Ha ! Je le savais ! Il est rempli de bonbons ! Vous voyez ? Rien ne m'échappe, mademoiselle. Voilà ! Honte à toi. Je prends ça. Aussi rusé que votre ami ? Donnez-moi ça. Je n'entends rien. Mais elle ne sait pas que ce truc a un zip caché. Mais d'abord, il faut retirer la mousse. Puis, pour l'imiter, mets des marshmallows comme cela. Les plus gros sont les meilleurs. Puis, mets-les dans ton ami poilu. Et voilà! Zip-le pour le fermer. Il a l'air normal, non? Je ne sens pas de bonbons ici. Ça sent un peu le sucre quand même. Allez, c'est bon. Ouf. Hé, j'ai raté quoi? C'est l'heure de grignoter un peu. Oui! Comment tu as fait pour passer? Ça vous dit de partager? Est-ce que cette astuce n'est pas géniale? C'est important! Oh yes! Oh, je suis fatiguée et je déteste ça! Oui, tu te débrouilles bien! Oui, le fitness! Allez, passons au squat! Très bien, Madison! Et maintenant, les abdos! 2. Comment ça? Pas d'abdos. Allez, debout. Tu dois faire ta séance plus sérieusement. Désolée. Attends, j'ai une idée. Je suis de retour avec un atout fitness. Je suis prête à me mettre au sport, sérieusement. Oh, wow! Regardez-moi ces abdos! C'est impressionnant, Madison. Mes abdos sont en fait en chocolat. S'entraîner, c'est trop bon. Le chocolat, c'est mon sport préféré. Oui, on s'entraîne dur. Drôle. Ouais. Oh non. J'espère que ce sera quelque chose de bon. Regardons. Du maïs. Rien de très excitant. C'est un peu triste. Allez, je vais le goûter. C'est dur. Je n'arrive pas à mordre dedans. Ok, à moi. Il doit y avoir un moyen plus facile d'y arriver. Oh! Regarde tous ces bonbons! C'est incroyable! C'est mon dentiste qui va être content! Oh! Je ne peux pas l'ouvrir! Essayons celui-ci! À quoi sert cette corde? Oh! Regarde ça! C'est pile ce qu'il me fallait! Tu te moques de moi? Je pourrais m'habituer à ça! Sois pas jalouse. Oh, ça me rend furieuse. Ok, moins vite. J'ai un épi de maïs et elle a des bonbons. Oh, j'ai pas le temps de mâcher. C'est pas juste. Et c'est quoi cette odeur? Oh, du pop-corn. Arrêtez, je suis à régime en fait. J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais ça fait trop de bonbons. Il y en a partout. C'est mieux comme ça. C'est fini? Oh, regarde ça. C'est un bol en bonbons. Ça a l'air délicieux. On peut en manger? Attends, j'ai une idée. Remplissons-le d'abord.
D'accord. Super idée! C'est magnifique! Oh, ça serait trop dommage de la manger! Mais je me lance! Vas-y, croque! Miam! Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on n'aura pas à faire la vaisselle! Parfait! Peu importe ce qu'on préfère porter, on a tous un jean préféré. C'est tellement confortable! Enfin, d'habitude. Hé! Est-ce qu'il a rétréci ou quelque chose comme ça? Non? Je crois que c'est toi qui as grandi, Betty. Merci, les fast-foods! C'est pas vrai! J'ai plus qu'à mettre un pantalon de survette. Je grignoterai bien un petit truc. Je croyais bien avoir vu des chips ici. Miam! Je vais vite! Tu ne voulais pas perdre du poids? Vous croyez que Bella va sentir mon hamburger? La voix semble libre. Waouh! Je ne t'avais pas vue. La salade, tu peux. Mais ça, non. La seule manière de perdre du poids, c'est de contrôler son apport calorique. Oh! Il y a aussi une solution plus simple. Diviser les portions en deux. C'est le film le plus effrayant que j'ai jamais vu. Hé! À un bâton de carotte? Si t'insistes... C'est dégueu! Je ne peux pas avaler ça. Désolée, Bella, mais c'est vraiment pas bon. Je ne peux pas quitter l'écran des yeux! J'ai déjà fini? Je reviens! J'en ai pour une seconde. Profitons-en pour manger. Mais il faut que je sois discrète. Pourquoi pas? À l'aide d'un cutter, découpe un paquet de lingettes comme ceci. Retire le plastique et les lingettes. Puis, verse tes bonbons dedans. Betty a choisi les M&M's. Ça change complètement la donne. Oh, comme cette sensation m'avait manqué! Qu'est-ce que j'ai raté? Oh, rien de spécial. Vite, avant qu'elle ne te voie. Ça marche! Oh, ce que c'est bon! Tu crois que je peux amener ça au ciné? C'est trop gros pour mes poches. Peut-être ici? C'est un échec. Tu vois, ça prend trop de place. Je vais devoir y aller sans rien amener à manger. Attends! Ce ruban adhésif est plutôt robuste. Tu crois que je pourrais... Oh ouais! Enfile le rouleau autour de ton poignet, puis un autre. Continue de les empiler sur ton bras. Continue même au-dessus de ta main. Parfait! Ensuite, mets ta sucrerie préférée. Que de bons choix, Lana! Tourne ton bras pour en faire passer un plus gros. Il y a encore plus de place par ici. Encore un endroit! Maintenant, entoure ton bras dans de la gaze. Tu auras peut-être besoin d'aide. Continue jusqu'à la main. Il faut plein de couches pour ne pas voir à travers. Et là, on tient le bon bout. Une place, s'il vous plaît. Ça m'a l'air bon. Bonjour. Qu'est-ce qui t'est arrivé, ma pauvre? Aïe. Ce film va te remonter le moral. Bon film. Est-ce que j'ai manqué beaucoup de trucs? La voie est libre? Oui. Regarde-moi ça. Et je vais commencer avec lui. Super, merci. J'en ai encore plein. Personne n'a plus pitié de moi maintenant. Trop bon. Je me sens déjà super fatiguée. Bonne journée.
Ces béquilles sont géniales! Oh non! Je suis tellement désolée! Pardon? Je dois filer! Waouh! Tu es prêt pour un quart d'heure grignotage? Parce que les filles le sont. Mais comme tu le sais sans doute, pour grignoter tranquille, il faut parfois faire preuve d'astuce. Tu peux peut-être cacher des bonbons dans ton soutien-gorge ou fourrer des pâtes dans ton pantalon. Mais l'interdiction d'introduire de la nourriture doit être enfreinte. Mais attention, ça peut vite devenir la foire. Donc si tu cherches de nouvelles astuces pour faire passer de la nourriture en douce là où tu veux, reste avec nous. On en a plein! On peut y aller? Cet endroit a l'air sympa! Il paraît que la nourriture est délicieuse! Oh, s'il vous plaît! Voici la carte, mademoiselle! Ils cuisinent dans des casseroles en or ou quoi? Ça coûte une fortune! Laissez-moi juste une minute. Il n'y a rien en dessous de 20 dollars. Je vais juste prendre un verre d'eau. Il n'y a rien de plus gênant. Un verre d'eau du robinet. Merci. Mais c'est quoi son problème? Salut ma belle. Désolée pour le retard. Voici la carte. J'ai dit non. Bien sûr. Elle est partie? Parce que j'ai apporté de quoi manger. Oh, un petit biscuit au chocolat. Cet endroit est hors de prix. Pour introduire de la nourriture en douce dans un restaurant chic, il suffit de la scotcher sur ton corps. C'est comme se faire une jarretière de sucreries. Assure-toi juste que ta robe recouvre bien tout. Tu en veux? Laisse-moi voir ce que j'ai en stock. Tiens! Prends-le vite! Je t'en dois une. Oh, quel soulagement! Oh J'arrive! C'était chaud. Tu crois que la prof a vu que je suis en retard? J'ai raté quelque chose? Que des choses ennuyeuses. J'aurais dû manger avant de partir. Je vais juste grignoter en cachette. Mes chips préférées. J'en ai l'eau à la bouche. Y a-t-il une meilleure odeur dans le... Quoi? Vous connaissez les règles. Pardon. Je vais attendre. Ne m'obligez pas à faire ça! Vous ne voulez pas suivre les règles? Non! Alors sortez! Bien! J'irai grignoter ailleurs! Ces règles sont trop nulles! On me laisserait mourir de faim? Et où est mon classeur? Je crois qu'il peut me servir. Oui! Vide ton paquet de chips et plie-le comme ceci. Continue jusqu'à le retourner complètement. Utilise deux pinces comme celle-ci et clip-les sur le fond. Remets les chips dans le sachet. Puis enroule le paquet. Et ferme-le avec une autre pince. Et pour finir, passe les pinces à travers les anneaux. Puis referme le classeur. Ça va être top! Reste cool, reste cool! Bella, je n'ai plus de nourriture, vous voyez? Ok, reprenons. Mademoiselle Appleby ne se doute de rien. Et la nourriture est juste là. Ne mastiquons juste pas trop fort. Je t'ai vu. Tu as vu quoi, Betty?
Qu'importe ce qu'on préfère porter, on a tous un jean préféré. C'est tellement confortable. Enfin, d'habitude. Hé ! Est-ce qu'il a rétréci ou quelque chose comme ça? Non. Je crois que c'est toi qui as grandi, Betty. Merci, les fast-foods. C'est pas vrai! J'ai plus qu'à mettre un pantalon de survêt. Je grignoterai bien un petit truc. Je croyais bien avoir vu des chips ici. Miam! Je vais vite! Oh! Tu ne voulais pas perdre du poids? Vous croyez que Bella va sentir mon hamburger? La voix semble libre. Waouh! Je ne t'avais pas vue. La salade, tu peux. Mais ça, non. La seule manière de perdre du poids, c'est de contrôler son apport calorique. Oh! Il y a aussi une solution plus simple. Diviser les portions en deux. C'est le film le plus effrayant que j'ai jamais vu. Hé! Un bâton de carotte? Si t'insistes. C'est dégueu. Je ne peux pas avaler ça. Désolée, Bella, mais c'est vraiment pas bon. Je ne peux pas quitter l'écran des yeux. J'ai déjà fini? Je reviens. J'en ai pour une seconde. Profitons-en pour manger. Mais il faut que je sois discrète. Pourquoi pas? À l'aide d'un cutter, découpe un paquet de lingettes comme ceci. Retire le plastique et les lingettes. Puis, verse tes bonbons dedans. Betty a choisi les M&M's. Ça change complètement la donne. Oh, comme cette sensation m'avait manqué! Qu'est-ce que j'ai raté? Oh, rien de spécial. Vite, avant qu'elle ne te voie. Ça marche! Oh, ce que c'est bon! Bien, monsieur, allez-y. Une entrée. D'accord, mais sans ça. Pas de nourriture dans la salle. Mais je viens de l'acheter. S'il vous plaît. Hors de question de vous laisser entrer avec ça. Il faut que je la joue fine. Regardez mes pompons. Je suis une pom-pom girl, vous voyez? Go team! Waouh, yeah! Juste une entrée, monsieur. Une tenue surprenante pour aller au cinéma. Mais j'aime ça. Merci. Passez un bon moment. Encore une journée de cours ennuyeux. J'aurais bien besoin d'un coup de fouet. Envoyez-moi une bonne dose de sucre. Rien que l'odeur est enivrante. Hé! Est-ce que je sens ce que je crois que je sens? Hein? Ok, vas-y. Juste un croc, ok? Hé! Tu manges tout! C'était trop bon! Ouais, sans blague! Ma barre de chocolat! Je dois apprendre à cacher ce genre de choses. Des sales pattes de Bella. Mais comment? J'ai un paquet de crayons, c'est sûr. Ça me donne une idée. Scotche tes crayons de couleur en ligne droite. Place une barre de chocolat à une extrémité. Et enroule-les comme un burrito. Comme ça, elle sera totalement cachée. Ce chocolat est tout à moi. Essaye de me le voler maintenant, Bella. J'aurais dû y penser avant. Ça sent le chocolat?
Je ne vois rien. Quoi? J'ai rien du tout. Mon nez doit me jouer des tours. Ou alors, c'est parce que j'ai faim. Ces astuces gourmandes t'ont-elles donné faim? Laquelle es-tu prêt à essayer la prochaine fois que tu auras envie de frauder de la nourriture? N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis pour leur faire découvrir ses secrets. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube One to Twigo pour voir d'autres vidéos comme celle-ci. Allez, la défense! Allez! Prenez cette balle et marquez! Allez, allez, allez! Hé! Tu veux quelques chocolats? Non! Tu n'as pas vu le panneau? La nourriture est interdite et il faut respecter les règles. Ils vont marquer! Qu'est-ce qu'on a là aujourd'hui? Waouh! Je suis fichue! Qui mange autant de chocolat? Je vous en prie, n'appelez pas mes parents! Oh oh! Oh. Je vois des étoiles! Mais je vois aussi une idée géniale! Oh ouais! Je reviens! Prends une balle de basket et entaille-la avec un cutter. Tu vois tout cet espace libre? On va le remplir. Et il y a assez de place pour faire rentrer beaucoup de choses! Oh! J'ai pris ma balle, vous voyez? Eh! Tu te sens mieux? Quoi? C'est incroyable! Mes préférés! Ce match est bien plus amusant à regarder avec ça! Mmh. Oh oh! Cache tout! Je regarde juste le match, coach! D'accord. Faute! Mon pote, laisse-moi voir ça. D'accord. Attends! Tu crois que je n'ai pas vu les bonbons? Ça mesure combien? Ça n'en finit pas! Désolée, j'ai des crises d'hypoglycémie. Sérieusement? Tu ne sais pas lire les panneaux? Faut que je te le dise comment? Oh! Ces gosses! Bonjour, madame. Votre ticket, s'il vous plaît? Merci. D'accord. Ne la touchez pas, elle vient de s'endormir. Bon film, madame. Personne ne se fiche de moi, grâce à mes biscottos. Oh oui. J'ai bien envie d'un encas. Mon estomac n'arrête pas de gargouiller. Oh, tout va bien, ce n'est rien. Waouh! Regarde un peu ce truc! Quelqu'un d'autre en veut? Tu vois, tout le monde aime les bébés. Et le plus grand est pour moi. Être discret, c'est délicieux. C'est mon cours préféré. Il est important pour une pizza d'être ronde. Bien sûr, une pizza ronde, c'est du génie. La garniture doit être fraîche, bien sûr. Une garniture fraîche pour une pizza fraîche est tout aussi excellente. Tu n'as qu'à en juger par toi-même. Waouh, une pizza! C'est le meilleur cours qui soit. Oh, pizza, comme je t'aime. Hein? Qu'est-il arrivé à ma pizza? Non, c'était juste un rêve. Attends, est-ce que Jake mange sa gomme? Peut-être que je rêve encore. Je ferais mieux de regarder de plus près. On dirait une gomme classique. Qui fonctionne pareil également. Jake, comment as-tu mangé ta gomme? Il n'y a qu'un côté qui efface réellement. L'autre embout est un bonbon. L'autre embout est un bonbon? C'est un bonbon! De la guimauve même! Et c'est facile à faire aussi! Prends ta gomme et pousse-la! Puis il te faut une guimauve.
C'est la même taille et ça y ressemble. Oui, de la guimauve dans tous les cours. De la guimauve toute la journée. Crois-tu la prof a vu que je suis en retard? J'ai raté quelque chose? Que des choses ennuyeuses. J'aurais dû manger avant de partir. Je vais juste grignoter en cachette. Mes chips préférées. J'en ai l'eau à la bouche. Y a-t-il une meilleure odeur dans le... Quoi? Vous connaissez les règles. Pardon. Je vais attendre. Ne m'obligez pas à faire ça. Vous ne voulez pas suivre les règles? Non! Alors sortez! Bien! J'irai grignoter ailleurs. Ces règles sont trop nulles. On me laisserait mourir de faim? Et où est mon classeur? Je crois qu'il peut me servir. Oui! Vide ton paquet de chips et plie-le comme ceci. Continue jusqu'à le retourner complètement. Utilise deux pinces comme celle-ci et clipe-les sur le fond. Remets les chips dans le sachet. Puis enroule le paquet. Et ferme-le avec une autre pince. Et pour finir, passe les pinces à travers les anneaux. Puis referme le classeur. Ça va être top! Reste cool, reste cool! Bella! Je n'ai plus de nourriture, vous voyez? Ok, reprenons. Mademoiselle Appleby ne se doute de rien. Et la nourriture est juste là. Ne mastiquons juste pas trop fort. Je t'ai vu. Tu as vu quoi, Betty? Hop! Pas de nourriture à l'intérieur! Les bras en l'air! Mon Dieu! C'est bon, passé! Vous pouvez lever les bras. Oh non, pas de nourriture! Je vais me faire prendre! Oh, il m'en reste tellement! Oh. Ses cheveux, ça ressemble, non? Allez, réfléchissons vite! Mais bien sûr! Jouets vertes, me voilà! Vous pouvez y aller. Moi, j'arrive! Si vous cachez de la nourriture, je vais le savoir! Détends-toi! Et... On ne peut pas manger! Aucun problème! Moi, je viens danser, pas festoyer! Je suis les règles! Je ne triche pas! Laisse-moi entrer, tu ne le regretteras pas! Oh ouais, c'était bon! Pas de nourriture, yo! Ha! J'adore! Entrez! Hey, j'aime bien tes cheveux! Ah ouais? Eh bien, sache qu'ils se mangent! Waouh! Qu'est-ce que t'en dis? Je peux? Ah! J'adore les verres! Bonjour tout le monde! Inspirez profondément et expirez. Maintenant, joignez vos paumes et penchez-vous en avant. On recommence. Wow! Hein? Pas encore! C'est trop gênant! Je n'arrive pas à croire que je suis en retard! Hic! C'était moins une! Je suis encore coincée! Ça devrait marcher! C'est quoi ce bruit? Il faut juste que je déroule mon matelas à cet endroit et je serai fin prête! Mais d'abord, un petit grignotage! Je l'ai mis du mauvais côté! Bras tendu, c'est ça? Les paumes vers l'intérieur. Quand est-ce qu'elle est arrivée là? Incroyable!
Elle n'y a vu que du feu. C'est le moment ou jamais. Autant profiter d'être penché au sol pour prendre un peu de ça. Vite! Juste une toute petite bouchée. Oh! Maintenant, on tend les bras. Ok, je retiens 2. 14? J'ai besoin de sucre. Ouais, je vais dire 14. Ou c'est peut-être 15? Ces problèmes sont vraiment compliqués. Il me faut peut-être juste un peu plus de sucre. Réfléchis, Sophia, réfléchis. Hein? Je ne suis pas une chèvre. Il y a forcément un meilleur moyen de manger ça. En fait... Oh oui! Mon cerveau fonctionne à 1000 à l'heure maintenant! Prends ton bonbon et glisse-le dans ta perforatrice. Voilà! Maintenant que tu as un trou, passe un peu de fil dedans et rassemble-les. Et voilà! Un marque-page en bonbon. Passe un peu de fil dedans. Ça me donnera plus envie de lire. Super prête pour aujourd'hui. Coucou, jolie marque-page. Où est-ce que tu as trouvé ça? Wow. Je n'ai pas pu attendre une seconde de plus. Oui, on est 100% concentré. Je l'ai eu. Il n'a rien vu. Je devrais me mettre à les vendre. Enfin, je dis ça comme ça. On finit par... Enfin, une pause. Réfléchir à toutes ces questions me donne envie de... Eh oui, tu as deviné. D'un précieux chewing-gum. Même l'odeur est incroyable. S'il te plaît, ne fais pas de bruit. Prudence. Tu es presque libre. Encore un tout petit peu. Non! Hein? Des chewing-gums? Prends deux! Voilà ce dont j'avais peur. Tenez, vous êtes content? Il n'en reste même pas pour moi. Il faut que je refasse un plein. Mais j'ai une autre idée. Détache le haut de ton surligneur et retire l'encre. Ensuite, insère-y tes chewing-gums préférés. C'est rusé, tu trouves pas? Maintenant, personne n'imagine que j'en ai. Tu vois? Tu es comme une carte. Désolée, il n'y a rien à voir par ici. Pas mal ce cours aujourd'hui, hein? Peu importe ce qu'on préfère porter, on a tous un jean préféré. C'est tellement confortable. Enfin, d'habitude. Hé! Est-ce qu'il a rétréci ou quelque chose comme ça? Non. Je crois que c'est toi qui as grandi, Betty. Merci, les fast-foods. C'est pas vrai! J'ai plus qu'à mettre un pantalon de survette. Je grignoterai bien un petit truc. Je croyais bien avoir vu des chips ici. Miam! Je vais vite. Tu ne voulais pas perdre du poids. Vous croyez que Bella va sentir mon hamburger? La voix semble libre. Waouh! Je ne t'avais pas vue. La salade, tu peux. Mais ça, non. La seule manière de perdre du poids, c'est de contrôler son apport calorique. Oh! Il y a aussi une solution plus simple. Divisez les portions en deux. C'est le film le plus effrayant que j'ai jamais vu. Hé! Un bâton de carotte? Si t'insistes... C'est dégueu.
Je ne peux pas avaler ça. Désolée, Bella, mais c'est vraiment pas bon. Je ne peux pas quitter l'écran des yeux. J'ai déjà fini? Je reviens. J'en ai pour une seconde. Profitons-en pour manger. Mais il faut que je sois discrète. Pourquoi pas? À l'aide d'un cutter, découpe un paquet de lingettes comme ceci. Retire le plastique et les lingettes. Puis, verse tes bonbons dedans. Betty a choisi les M&M's. Ça change complètement la donne. Oh, comme cette sensation m'avait manqué! Qu'est-ce que j'ai raté? Oh, rien de spécial. Vite, avant qu'elle ne te voie. Ça marche! Oh, ce que c'est bon! On a encore un peu de récré, ce qui veut dire qu'on a le temps de manger! Trop bien! J'ai aussi apporté des gâteaux. Un petit goûter ne va pas me faire de mal. Ah, on oublie. Bonjour. Est-ce que vous pouvez ranger ça? D'accord. S'il le faut. J'espère que vous avez tous fait vos devoirs. Elle a l'air distraite. J'ai juste besoin d'une bouchée. Excusez-moi, pas de nourriture en cours. Oh, je l'admirais juste. Oh, où j'en étais? Comment est-ce que Rosie fait ça? C'est du génie! Le bon vieux coup de la manche. Bon, ça devrait m'aider à tenir. Je ne peux pas faire ça avec mon cupcake. Dans quoi est-ce que je peux le cacher? Je pense que ma brosse pourrait faire l'affaire. Je pense que ça peut marcher. Quoi? Chut! Je vais te montrer un secret. Tu penses à ce que je pense? Oh, on est sur la même longueur d'onde! Retire les pics de ta brosse et insère ton cupcake dedans. Tu te souviens d'eux? Si tu casses le bâtonnet en plusieurs morceaux et que tu les plantes dans le gâteau, ils ressembleront aux picots de la brosse. Elle ne se doutera jamais de rien. J'en ai déjà l'eau à la bouche. Quoi? Madison! Je me démêle juste les cheveux, madame. Vous voyez? Oh! Je dois changer mes lunettes. Je vois encore des cupcakes. Bon appétit! Qui a besoin d'une récré quand on peut manger en cours? Bien joué, ma vieille! Cet entraînement est plutôt amusant. Phew! Qui n'aime pas faire du cerceau? J'ai besoin de faire une pause et de manger un truc visiblement. Personne ne me regarde? Autant que j'avale une petite bouchée en toute discrétion. Oui, je sens déjà le goût dans ma bouche. Ce n'est pas un hot dog sans ketchup. Mmh. Oh oh! Eh bien, qu'est-ce que tu fais là? Tu connais les règles? J'étais si proche! Oh, je déteste les cours de sport! Attends un instant. Je peux cacher ces saucisses. D'abord, je vais me débarrasser de ces poignées. Et je vais faire passer la corde dans ces tubes plastiques. Je vais prendre cette saucisse de taille moyenne. Appuie sur la saucisse pour faire entrer la corde. Et pousse-la jusqu'au bout. N'oublie pas de faire l'autre côté. C'est le moment de tester ce beau bébé. Ça fonctionne à merveille! Je fais juste du sport, vous voyez? C'est bien, continue comme ça. Elle n'y a vu que du feu. À moi les protéines. Hein?
Je vois que les esprits affamés se rencontrent. Cet endroit a l'air sympa. Il paraît que la nourriture est délicieuse. Oh, s'il vous plaît. Voici la carte, mademoiselle. Ils cuisinent dans des casseroles en or ou quoi? Ça coûte une fortune. Laissez-moi juste une minute. Il n'y a rien en dessous de 20 dollars. Je vais juste prendre un verre d'eau. Il n'y a rien de plus gênant. Un verre d'eau du robinet? Merci. Mais c'est quoi son problème? Salut ma belle, désolée pour le retard. Voici la carte. J'ai dit non. Bien sûr. Elle est partie? Parce que j'ai apporté de quoi à manger. Oh, un petit biscuit au chocolat. Cet endroit est hors de prix. Pour introduire de la nourriture en douce dans un restaurant chic, il suffit de la scotcher sur ton corps. C'est comme se faire une jarretière de sucrerie. Assure-toi juste que ta robe recouvre bien tout. Tu en veux? Laisse-moi voir ce que j'ai en stock. Tiens! Prends-le vite! Je t'en dois une. Oh, quel soulagement! Ah! J'arrive! C'était chaud. Bien, monsieur, allez-y. Une entrée. D'accord, mais sans ça. Pas de nourriture dans la salle. Mais je viens de l'acheter. S'il vous plaît. Hors de question de vous laisser entrer avec ça. Il faut que je la joue fine. Regardez mes pompons. Je suis une pom-pom girl, vous voyez? Go team! Waouh, yeah! Juste une entrée, monsieur. Une tenue surprenante pour aller au cinéma. Mais j'aime ça. Merci. Passez un bon moment. Encore une journée de cours ennuyeux. J'aurais bien besoin d'un coup de fouet. Envoyez-moi une bonne dose de sucre. Rien que l'odeur est enivrante. Hé! Est-ce que je sens ce que je crois que je sens? Hein? Ok, vas-y. Juste un croc, ok? Hé! Tu manges tout! C'était trop bon. Ouais, sans blague. Ma barre de chocolat. Je dois apprendre à cacher ce genre de choses. Des sales pattes de Bella. Mais comment? J'ai un paquet de crayons, c'est sûr. Ça me donne une idée. Scotche tes crayons de couleur en ligne droite. Place une barre de chocolat à une extrémité. Et enroule-les comme un burrito. Comme ça, elle sera totalement cachée. Ce chocolat est tout à moi. Essaye de me le voler maintenant, Bella. J'aurais dû y penser avant. Ça sent le chocolat? Je ne vois rien. Quoi? J'ai rien du tout. Mon nez doit me jouer des tours. Ou alors c'est parce que j'ai faim.